Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Énergie Positive, c'est Jocelyn, et je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission en compagnie de Myriam Gablier sur un thème qui me tient vraiment à cœur et qui pour moi est, je pense, tout à fait central, et vous me l'accorderez, c'est la conscience. Alors quel sujet plus large que celui de la conscience? La question à 1 million. Donc, Myriam nous a écrit ce livre, Les mystères de la conscience, qui est sorti, je sais plus, en 2019, je crois. Et c'est vraiment une mine d'or en termes d'informations. Il y a aussi de très jolis dessins, donc il est très, très agréable à lire. Et effectivement, c'est un livre de chevet, puisque il y a plein de références, il y a plein de réponses aux questions qu'on pourrait se poser, même comme je disais tout à l'heure, potentiellement des réponses à des questions qu'on ne se pose pas encore, parce que probablement qu'on abordera aussi la notion du temps dans cette émission. Donc la conscience, ces mystères. Ça va être une soirée passionnante, donc comme d'habitude, je vous invite à nous faire un petit coucou dans le chat et à nous indiquer à partir d'où vous nous regardez, parce que voilà, j'aime bien. Si jamais vous avez des questions pour Myriam, eh bien, on les lui exposera en deuxième partie d'émission. Et voilà, si vous avez envie de partager des phénomènes de prémonition, de voyance, de sortie de corps, eh bien, ils sont bienvenus et vous pourrez le faire dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Donc, mettez un pouce vers le haut, mettez un commentaire, partagez. Sachez aussi que si vous voulez vous procurer le livre, et je vous le recommande vivement, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien pour vous le procurer directement. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Vous pourrez me préciser ça dans le chat. Donc, pour l'heure, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Myriam Gablier. Eh ben, bonsoir à tout le monde. Et puis, Jocelyn, je voudrais te remercier pour cette invitation parce que c'est exactement le genre d'espace que j'aime bien, le genre d'espace où on va discuter à bâton rompu de sujets passionnants sans se mettre trop la pression et en passant un bon moment. Donc ça, c'est chouette, quoi. C'est vraiment le genre d'espace que j'adore. Donc je suis ravie d'être là et on va discuter et on va voir où ça nous mène. Eh ben oui, super. Ben, je suis ravi que tu aies accepté. Et parce que comme je te disais en offline, je trouve que avoir écrit un livre comme ça, avec toutes les références que tu cites, avec tout ce que tu nommes, vraiment en termes de conscience, moi j'ai découvert des choses alors que c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui m'intéresse. Donc ouais, merci d'être là. Alors, peut-être une petite présentation pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Myriam. Donc, tu es une personne de toute évidence qui est passionnée pour écrire un tel livre, qui du coup est passionnante parce que ben, tu connais plein de choses et tu as certainement expérimenté aussi plein de choses. Mais quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'amène justement à ce domaine de la conscience et à en écrire un livre aussi pointu que celui des mystères de la conscience que je remontre? Alors moi, je suis née d'entrée de jeu de parents qui étaient déjà en recherche d'une nouvelle façon d'être au monde. Donc en fait, j'ai grandi dans un milieu assez alternatif qui était assez porté par ce qu'on appelle les valeurs du nouveau paradigme. Ouais. Et donc la notion de conscience, finalement, a toujours été présente pour moi. C'est-à-dire toutes les réflexions autour de c'est quoi la conscience, c'est quoi les débats de fond autour de la conscience, et surtout les enjeux, c'est-à-dire de quelque part réhabiliter, potentiellement réenchanter le monde, en fait. Hein. C'est un petit peu de ça qu'il y a en arrière-plan, on y reviendra. Mais donc, c'est vrai que déjà, la notion de conscience était là. Et puis ensuite, j'ai fait tout un parcours dans le milieu de la thérapie. Donc, j'ai une formation de thérapeute psychocorporelle. J'ai été très impliquée dans ce milieu-là. J'étais présidente de l'association professionnelle de ma méthode. J'ai écrit pas mal d'articles. J'ai coécrit un livre sur la méthode avec le directeur de l'école, donc la méthode étant la psychologie biodynamique. Et puis, j'ai aussi donc été thérapeute longtemps, hein, j'ai pratiqué, j'ai refait la formation en tant qu'assistante. Enfin, j'étais vraiment à fond voilà, sur un plan plus clinique, on va dire, et puis commencer à réfléchir à ces sujets-là. Et ensuite, je suis devenue journaliste
notamment pour Inexploré, pour INRES. Et puis là, ça a été, en fait, ce qui m'a amené là, c'est l'écriture. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai trouvé que l'écriture offre le temps d'aller choisir des mots, d'aller formuler des choses qui ne sont pas forcément faciles. Et donc, c'est vraiment tout un acte de pédagogie que j'adore faire. J'adore aller chercher des idées compliquées pour essayer de les rendre accessibles, comme ça se voit dans le bouquin. Ah ouais. Là, ça a été aussi très, très intense parce que j'avais toujours une dizaine d'articles en roulement. Enfin, ça a été, je me suis retrouvée au cœur d'un réseau vraiment passionnant sur des sujets comme voilà, tout ce qui touche aux nouvelles visions de la science, développement personnel, spiritualité, aussi un peu les phénomènes hors normes de la conscience, justement. Et j'ai écrit plusieurs bouquins. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai vraiment, je crois que j'ai quand même pas mal une âme de chercheuse. Et donc, j'ai repris des études. J'ai fait un master de philo en phénoménologie. Donc, vraiment l'étude de la subjectivité. Et puis, le thème de mon mémoire, c'était la relation corps-esprit. Et là, c'est là, en fait, où Séverine Corson-Schneider, qui travaille pour Hachette, est venue, en fait, solliciter Sébastien Ligny, qui dirige l'INRES, pour écrire un livre sur la conscience. Et en fait, l'idée de départ, c'est, bah, oui, c'est vrai, on entend beaucoup parler de conscience, et des fois, on a l'impression que cette notion est mise un petit peu à toutes les sauces. Et elle voulait un livre qui permettrait, en fait, de cartographier c'est quoi la conscience pour qu'on puisse s'y repérer, en fait. Et donc, c'était ça la commande. Et c'est clair que moi, de moi-même, je n'aurais jamais écrit un bouquin sur la conscience. Je trouve ça complètement dingue, en fait. C'est fou. Donc, en fait, j'ai dit oui, et ça a été hyper intense, hyper passionnant, et effectivement, le livre est sorti donc à l'automne 2019. Ah, c'est ça. Et depuis, il ne cesse de tourner. Et ben, je suis encore sollicitée aujourd'hui pour en parler. Donc, je pense que il y avait vraiment besoin, en fait, d'avoir ce bouquin qui permet de, voilà, de savoir, mais en fait, de quoi on parle quand on parle de conscience et comment je peux me repérer, voilà, selon les espaces dans lesquels on va. Et puis, ce livre traite aussi de tous les phénomènes aussi hors normes de la conscience, les états élargis de la conscience, les phénomènes étudiés par bah, la parapsychologie, la psychologie animalistique. Et donc, vraiment, de couvrir tout le champ, hein, de ne pas s'arrêter juste à un état de conscience qui dit normal, même si ça ne veut rien dire. Donc, c'est vraiment aussi toute la richesse du livre, c'est de, voilà, d'offrir pas mal d'histoires. En plus, c'est vrai qu'il est superbement illustré, j'ai eu beaucoup de chance. Et il se Ah lit facilement parce qu'il y a des petits blocs textes. Enfin, voilà, oui. c'est. Donc. Magnifiquement illustré, ouais, y a plein, plein, plein de dessins. Ouais, j'ai En vraiment fait, eu c'est un beaucoup. livre qui regroupe beaucoup, beaucoup de talents. Donc, sur la conscience, dans tes recherches pour écrire ce livre, si on partait un petit peu de la genèse, ne serait-ce que ce mot conscience, en fait, quand est-ce qu'il a été défini, choisi? Et surtout, quelle était la démarche derrière le fait de chercher un mot? Qu'est-ce que ça cherchait à qualifier à cette époque-là? Alors, ce qui est souvent peu mesuré, c'est que la conscience, vraiment le mot conscience, hein, est un terme très tardif dans l'histoire, puisqu'il apparaît seulement au XVIIe siècle. Donc, en fait, ça veut dire que jusque-là, on ne s'était pas trop posé la question de la conscience sous cette forme-là. Et la raison pour laquelle on voit la conscience émerger au XVIIe siècle, c'est qu'il y a eu une révolution culturelle importante quelques siècles avant, qui s'appelle la Renaissance, qui est vraiment une grosse bascule, qui fait que, par exemple, on va commencer à s'intéresser davantage à l'être humain. Jusque-là, on s'était beaucoup intéressé aux modèles théologiques, au cosmos, aux grands scénarios de création du monde. Mais avec la Renaissance, en fait, et le mouvement humaniste, on va davantage tourner notre attention vers l'être humain et on va chercher à comprendre c'est quoi cet être humain, c'est quoi son rôle dans le monde, dans l'univers, et donc il va occuper le devant de la scène. Et donc au bout d'un certain temps, donc au XVIIe siècle, il devient important de trouver un mot qui va permettre de circonscrire, on va dire, l'activité interne, psychique de l'être humain. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que les philosophes, en fait le mot apparaît vraiment, il existait dans le monde latin, mais il n'avait pas cette connotation-là. Mais au XVIIe siècle, donc les philosophes se saisissent de cette notion, qui vont discuter.
Et donc, c'est vraiment parce qu'on commence à resserrer l'attention sur l'être humain et on commence à se poser la question, en fait, de son activité psychique individuelle qu'on a besoin de mobiliser le mot conscience. Voilà, donc il y a tout un travail à partir du XVIIe siècle sur la réflexion de conscience. Le premier vraiment à en parler, c'est René Descartes, hein, qui, avec son Cogito en 1637, va vraiment faire une révolution. En fait, on dit que René Descartes, c'est le père de la philosophie contemporaine. Alors, c'est vrai que quand on parle de René Descartes, souvent on se dit, ouais, c'est bon, la philo. Enfin, il y a un côté où d'un seul coup, ça a créé souvent des réactions un peu de rejet. Mais en fait, c'est hyper intéressant. En fait, René Descartes, il a été complètement radical, révolutionnaire. Enfin, il a vraiment permis d'ouvrir tout un champ de recherche justement autour de la conscience. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant en fait de revisiter voilà, cette notion et les débats qui y sont liés. Mais c'est vrai que quand on fait référence à René Descartes, on pense à cette expression être cartésien. Et être cartésien, on place derrière comme une forme d'étroitesse d'esprit. Il y a des choses qu'on exclut dans l'équation. Ouais, en fait, Et disons que finalement, c'est pas tout René. à fait ça au travers Ben de ce non, en qu'il fait, enfin, moi, ce que j'aime dire, c'est que René Descartes, c'était un peu le punk de l'époque, quoi. C'est-à-dire dit. que, voilà, donc quand on le présente comme ça, d'un seul coup, ça change un peu le regard. C'est-à-dire Complètement. que René Descartes, il a été radical, il a tout balayé. Il s'est dit, bon, ben déjà, moi, je ne vais pas construire une philosophie en citant les philosophes qui étaient là avant moi. Donc, déjà, il balaye tous les anciens. Il revient vraiment à une étude de son expérience personnelle. Et là, il va dire, ben, tout ce que nos sens nous donnent à percevoir du monde, eh ben, ce n'est pas fiable. Parce que selon comment je me sens, eh ben, je vais percevoir les choses différemment. Et il utilise l'argument du rêve. Il dit, ben, par exemple, quand je rêve, moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Mais quand je me réveille, je me rends compte que ce n'est pas vrai. Donc, on ne peut pas faire confiance à nos sens. Hein, donc, il va complètement balayer les sens. Et il va même aller plus loin. Il D'accord. va dire qu'il n'y a pas de vérité éternelle. Par exemple, le fait que 1 plus 1 égale 2 partout où on soit dans l'univers, il va dire bah non, peut-être pas. Peut-être que Dieu a créé d'autres univers où bah, il y a d'autres lois en fait. Donc c'est très très radical. Il va vraiment essayer de tout balayer en disant on peut douter de tout. Voilà. Il dit bah, moi je doute de tout, je peux douter de tout. Mais il y a une seule chose dont je ne peux pas douter, Oui. c'est que je suis précisément en train En de train faire de l'expérience douter. du doute. Ouais. Et quand il dit ça, il pointe un espace de conscience qu'on ne peut jamais balayer. Donc, c'est-à-dire qu'il met le doigt, en fait, sur une activité à l'intérieur de l'être humain Il qu'on ne peut montre pas. quelque chose qui observe un processus, quoi, en fait. Alors, en fait, il y a plusieurs temps, parce qu'il y a plusieurs formes de conscience. Mais là, c'est vraiment un endroit de vécu du doute. C'est-à-dire, et effectivement, ensuite se rajoute le fait que je ne peux pas douter, que je suis en train de douter. Donc, il y a vraiment d'abord l'expérience du doute, qui est une expérience qui se présente à moi. Et ensuite, effectivement, je me rends compte que je ne peux pas douter de ça. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une conscience réflexive. C'est les deux niveaux principaux de la conscience. Mais je fais attention parce que ça devient assez technique. On n'a pas forcément besoin de rentrer là-dedans, ou on y reviendra. Mais en tout cas, c'est absolument génial. Donc, Descartes, il est génial. Sauf que effectivement, ensuite, il va essayer de penser en fait, c'est quoi ce truc-là? Il a mis le doigt sur un truc. Il a mis le doigt sur le fait que ben, on est constamment en train de faire une expérience consciente, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a du mal à la qualifier. Lui, il va dire au départ, c'est une chose qui pense. Donc c'est à la fois une chose qui appartient au monde et c'est à la fois une pensée qui commence à se transcendantaliser. Donc, en fait, il ouvre, il met le doigt sur un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Et derrière lui, il y a plein de philosophes qui vont essayer de se saisir de ça pour dire ben, la conscience, c'est ça, ou la conscience, c'est ça. Et en fait, on a toute une richesse philosophique déjà au XVIIe, XVIIIe siècle sur ce que serait la conscience. Mais le problème, c'est que Descartes, il va dire finalement que la conscience, c'est une propriété de l'âme. Et il va dire que d'un côté, on a l'âme avec la conscience. Et de l'autre, on a le corps qui est juste une machine biologique. Et on dit, en fait, ce qu'on dit par rapport à Descartes, c'est qu'il a eu un moment un trait de génie et il est retombé dans un dualisme corps-esprit qui pose beaucoup de problèmes. Parce que si on a un corps qui est juste biologique,
et qu'on a une âme qui est consciente, on ne comprend plus comment les deux peuvent communiquer. Donc, c'est, voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Et bon, en tout cas, derrière, voilà, y a plein de philosophes qui se saisissent de cette notion, et c'est absolument passionnant. Et puis, on arrive après dans des approches qui vont être davantage psychologiques. C'est-à-dire que la philosophie, elle est spéculative, elle imagine plein de choses, elle se pose la question, est-ce que la conscience est transcendantale ou pas, enfin, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on va commencer plutôt à se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans cette conscience ? C'est quoi les états ? Comment ça marche ? C'est quoi le contenu de la conscience ? Enfin, et là, ça devient aussi très, très intéressant. Et ça, c'est... ce champ-là, il est ouvert par les recherches du magnétisme animal et des recherches sur le sommeil somnambulique. Et en fait, ce passage de l'histoire de la naissance des sciences psychiques est souvent enlevé des livres d'histoire parce que c'est un petit peu tabou. En fait, les sciences psychiques qui vont donner la psychologie, la psychiatrie, les psychothérapies, la psychanalyse, tout ça à la fin du 19e siècle, en fait, elles naissent de l'étude des états de transe. C'est-à-dire que on a le marquis de Puységur, on est juste avant la Révolution. Lui, il a appris le magnétisme animal auprès de Mesmer, son fondateur. Hein, donc là, le magnétisme animal, c'est l'idée que dans le monde, il y a une énergie qui circule et que si cette énergie se met à mal circuler dans le corps de l'homme, c'est pour ça qu'il tombe malade. Et il faut savoir que ça a été vraiment une grande vogue à l'époque. Hein. Le tout Paris s'est enflammé pour cette thèse. Et donc, le marquis de Puységur a appris cette méthode. Et un jour, on lui amène un jeune homme, un jeune paysan malade, et il fait son soin magnétique, il fait ses passes. Sauf que là, ce jeune homme, au lieu de tomber, de faire une crise comme Mesmer avait dit qu'il fallait que ça se passe, eh bien, pas du tout, il s'endort. Et il tombe dans un état de transe. Et depuis cet état de transe, il commence à se passer des choses assez étonnantes. C'est-à-dire qu'il commence à parler de manière érudite alors qu'il est illettré. Il commence à lire dans les pensées du marquis. Il commence à faire des prévisions de sa guérison qui vont s'avérer être vraies. Et donc, en fait, le marquis se dit « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ?» Et plutôt que de dire que ce jeune homme qui s'appelle Victor est pris par un démon ou un esprit, ce qui était un petit peu les explications qui avaient été données jusque-là pour ces phénomènes, il va dire, mais non, peut-être qu'on a affaire à des lois naturelles, des lois psychiques qu'on ne connaît pas encore. Et donc, on dit que le marquis de Puységur, c'est vraiment le père de la psychologie, en fait, parce que c'est un des premiers qui va stipuler que tous ces phénomènes bizarres de la conscience, eh ben, c'est peut-être un potentiel de l'être humain. C'est peut-être quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'être humain. Et donc, il y a tout un tas d'aristocrates, de médecins qui vont vraiment se passionner en fait, pour l'étude de ces états de transe, de sommeil somnambulique, et qui vont vraiment élaborer tout un corpus de savoir. Mais c'est vrai que le problème, c'est que quand les somnambules sont en transe, il leur arrive des choses un peu étranges. Ils semblent voir à distance, ils voient à travers les corps, ils voient dans le temps. Et donc ça, c'est inacceptable pour le milieu académique. Donc il y a un gros clash avec l'Académie de médecine qui va vraiment repousser toutes ces recherches en marge. Alors ces recherches vont quand même ressurgir sous la forme de l'hypnose, qui elle va se débarrasser de tous ces phénomènes bizarres, mais qui va quand même s'intéresser à cette strate psychique de l'être humain. Et de là vont naître la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse. Et donc, il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment une sorte de première phase qui est la phase de la philosophie, qui étudie la conscience, se pose des questions de ses modalités. Et ensuite, on a plutôt la strate psychique, toutes les études de la psyché de l'être humain qui vont donner la psychologie, la psychiatrie, ce genre de choses. Alors, justement, ce psychique, ce psychisme, cette psyché, en fait, c'est quel mot on pourrait poser, qu'on pourrait comprendre, nous, qui sommes un petit peu dans le New Age, Myriam. Mais tu sais,
Parce que ça fait référence à de l'inconscient, ça fait une référence au subconscient. Est-ce que ça parle de l'inconscient collectif? Puisque dans l'expérience que tu parlais, là, dont tu faisais référence du marquis de Puységur, en fait, il est entré dans un état de transe et puis. Est-ce Alors, que c'est c'était vraiment. son inconscient qui a commencé à s'exprimer ou est-ce que ça pouvait être quelque chose Voilà. d'extra Eh bien, voilà, nous y sommes. personnel? Voilà, c'est une très, très bonne question. Alors, ce n'est pas le marquis hein, qui est rentré en transe, c'est son sujet. Lui, il a magnétisé quelqu'un et c'est lui Oui. qui est rentré en transe. Oui. Mais c'est une super question parce qu'effectivement, en fait, jusque-là, on n'avait pas encore. La notion d'inconscient n'existe pas encore. Elle va apparaître à la fin du 19e siècle. Donc là, en fait, d'un seul coup, les chercheurs, ils sont face à des phénomènes. Et comme on s'est détourné de la religion, hein, quand, avec le siècle des Lumières, le siècle de la raison, voilà, on ne veut plus entendre parler des systèmes théologiques, on ne veut plus entendre parler des religions, et donc on ne veut plus entendre parler de la notion d'âme. Donc d'un seul coup, à partir du 18e siècle, l'homme est réduit à son corps, il n'a plus d'âme. Et c'est pour ça que d'un seul coup, on essaye de découvrir ce champ qui, en quelque sorte, va remplacer l'âme, sauf que ce n'est pas exactement la même chose. Mais du coup, on ne sait pas encore très bien à quoi on a affaire. Et ce qu'on remarque effectivement, c'est que quand les gens sont en transe, on dirait qu'il y a des nouvelles personnalités qui apparaissent, comme s'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes plusieurs personnalités qui pouvaient prendre le bâton à tour de rôle, on va dire. Donc les premiers modèles psychiques, c'est des modèles à personnalité multiple. Mais assez rapidement, on se rend compte que, de manière plus générale, ce que ça présuppose, c'est qu'il y a une strate de la conscience qui est inconsciente. Donc on commence à inventer des modèles psychiques qui, justement, vont parler de quelque chose qui est inconscient. Mais là, effectivement, il y a des grands débats, c'est-à-dire est-ce que l'inconscient, c'est juste du matériel qui était dans ma conscience, qui va passer dans l'inconscient. Donc, par exemple, on a Pierre Janet qui va penser à un subconscient qui, en fait, est une désintégration de la conscience. On a Freud qui va penser l'inconscient qui a refoulé de choses qui étaient dans la conscience. Mais on a aussi d'autres chercheurs qui ont pensé des formes psychiques qui permettent une porosité. C'est-à-dire que on a, par exemple, Frédéric Myers qui pense à un moi subliminal qui reste perméable en fait à des influences extérieures. Donc là, ça permet par exemple les phénomènes de télépathie, ça permet les phénomènes de voyance, ça permet tous les phénomènes qui ont ensuite été évacués, enfin qui ont été évacués par l'Académie de médecine. Et en fait, la grande problématique, elle est là. C'est-à-dire en gros, depuis la Renaissance, on se focalise sur l'être humain et ce qu'on va faire, avoir tendance à faire, c'est qu'on va avoir tendance à le réduire, le réduire, le réduire, le réduire, le réduire, le réduire, jusqu'à ce qu'il soit un individu clôturé sur lui-même et sur son corps. Et au passage, on se débarrasse déjà de la notion d'âme et ensuite on se débarrasse de tous les phénomènes de conscience élargie, voilà, des phénomènes qu'on dit maintenant paranormaux. Or, en fait, ces phénomènes sont attestés. Maintenant, on sait à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a tellement d'études qu'on fait des méta-analyses de ces études, et il y a tellement de méta-analyses qu'on fait des méta-analyses de méta-analyses. Enfin, c'est voilà. Il y a bon C'est nombre d'exemples justement dans le livre, hein, c'est voilà. impressionnant. Donc en fait, le problème, c'est que on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on veut pas gérer ces phénomènes, on veut pas les penser, c'est trop compliqué. On va réduire l'être humain. Mais donc ta question, donc on invente une strate inconsciente qui permettrait d'expliquer certains phénomènes, ce qui est intéressant en soi, mais c'est vrai que il reste toute la question, voilà, des états élargis de la conscience, de la capacité de voir dans l'espace-temps, voilà, de faire de la télépathie, voilà, une espèce de potentiel en fait humain qui est plus ou moins développé chez tout un chacun, mais qui demande à être pensé. Et donc là, en marge du milieu académique, on va avoir des courants, des gens très sérieux, hein, des prix Nobel, des premiers ministres, des membres de l'Académie de médecine et des sciences, enfin des gens archi sérieux qui vont continuer quand même à étudier ces phénomènes-là et qui vont essayer de les penser. Et donc là, c'est vrai que ces penseurs-là
ont tendance à penser à un inconscient qui est interconnecté. Par exemple, Frédéric Myers et son moi subliminal, c'est vraiment ça. Et derrière, on va avoir quelqu'un comme Jung, donc Carl Gustav Jung, qui connaissait très bien les travaux de Frédéric Myers et qui va lui aussi penser à un inconscient collectif. Alors, l'inconscient collectif de Jung, il est animé par des archétypes auxquels on serait tous connectés, hein. Les archétypes, ils sont universaux, comme par exemple l'archétype du héros. Enfin, voilà, on est tous par moments saisis par une énergie. Mais c'est clair que on se rend Ce qui compte à quel point. rejoint la multiplicité de la complexité de la personnalité. Voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte que on est complexe, effectivement, on est plusieurs, c'est-à-dire que on a le conscient, on a l'inconscient. Et par exemple, ce que j'aime beaucoup avec Frédéric Mayer, c'est qu'il va penser un polypsychisme. C'est-à-dire qu'il va penser réellement qu'on est beaucoup à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Oui. En fait, ce qui nous fait nous, c'est le flux de conscience qui passe à travers toutes ces différentes personnalités ou ces chaînes de mémoire. Enfin, et donc, on est d'un seul coup, on est avec un milieu académique qui va essayer de clôturer l'être humain sur lui-même et on est avec en marge des recherches absolument passionnantes, mais vraiment qui vont penser une complexité de l'être humain qui est juste géniale, quoi. C'est-à-dire, on est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine, on est interconnecté psychiquement aux autres êtres humains, mais aussi quand on a la psychologie transpersonnelle qui apparaît avec Assagioli, Grof, Abraham Maslow, enfin voilà, toutes ces mouvances-là. Ces gens-là vont penser qu'on est aussi interconnecté psychiquement à tout ce qu'il y a dans l'univers. On peut être interconnecté au règne animal, au règne végétal, au règne minéral. Donc là, d'un seul coup, on est avec des modèles qui sont très ouverts et avec une pensée de l'être humain qui est effectivement passionnante. Alors après, ça pose d'autres questions, hein. Ça pose question effectivement de qui nous sommes et ça pose question de voilà, comment l'individualité apparaît au sein d'un champ psychique. On peut poser la question à l'envers. Mais bon, voilà, c'est passionnant, quoi. C'est vraiment. C'est passionnant et c'est vrai que c'est assez vertigineux, hein. Comme si la fonction du cerveau n'existait pas pour comprendre cette approche holistique de l'humain. Parce que enfin, moi, j'essaie de le comprendre par rapport à mon référentiel. Je pars du principe que j'ai un conscient. Là, je suis conscient de ce qui se passe, d'être en live et en conversation avec toi, surtout en écoute. J'ai aussi un inconscient, un subconscient, mais il y a aussi une âme. Il y a ma personnalité qui est multiple, donc j'ai forcément un héros, un enfant intérieur. Enfin, tu vois, il y a aussi cette multiplicité-là. Donc, dans cette personnalité, il y a également une âme, potentiellement. Alors ça, c'est aussi une grande question. Alors, qu'en Alors, penses-tu? c'est vraiment aussi une grande question, la question de l'âme. Parce que comme je disais tout à l'heure, à partir du XVIIIe siècle, on se débarrasse de la notion d'âme. Hein. On se détourne de la théologie et on se débarrasse de la notion d'âme. Donc la notion d'âme, ce n'était pas un bloc. Hein. La notion d'âme, c'était vraiment une substance, on va dire, psychique, même si le mot n'était pas adapté à l'époque, qui avait plusieurs strates. Hein. Classiquement, on a souvent dit que l'âme avait trois niveaux, dont le niveau le plus élevé était donné par Dieu. Hein. Donc il y avait vraiment des dimensions au niveau de l'âme, des dimensions très élevées. Et donc quand au XVIIIe siècle, on se débarrasse de la notion d'âme et on se rabat sur le corps pour définir l'être humain et qu'on commence à étudier la sensibilité, la psyché, à élaborer des modèles psychiques qui vont remplacer finalement la notion d'âme, on a perdu les dimensions qui étaient par exemple capables de survivre à la mort du corps. Je veux dire, puisqu'on a rabattu la Voilà, psyché sur le corps, il n'y a c'est plus là où je rien qui. voulais, c'est là où je voulais t'amener en fait justement. Enfin, disons, tu sais, les personnes qui font des expériences de mort, des expériences spontanées Imminente. de mort imminente, des EMI, cliniquement parlant. Ils sont censés, enfin pour certains d'entre eux, ils sont censés être morts, le cœur ne bat plus et le cerveau n'a plus été irrigué depuis un certain temps, puis ils reviennent à la vie et puis ils peuvent raconter ce qui s'est passé dans le bloc, même en même temps ce qui s'est passé à une distance variable. Donc en fait, c'est ce qui a observé ce qui s'est produit ne peut plus faire partie de la personnalité et de toutes les facettes.
Ah bah si. Est-ce que Alors déjà, je vais juste recadrer un petit peu par rapport aux EMI. On va pas dire que les gens sont morts, hein. On ne sait pas. Ils sont pas. La mort, c'est vraiment un état dont on ne revient pas. Hein. Mais Donc, enfin, cliniquement, oui, mais les études récentes montrent que la mort, c'est en fait un processus qui s'étale peut-être sur 24 heures, 48 heures. On ne sait pas quand est-ce qu'on est mort, pas mort. Donc, je ne vais pas partir sur la question des EMI. Par contre, ce dont tu as parlé, c'est la question des sorties hors du corps, hein, le fait de se voir de haut, de partir dans d'autres dimensions. Mais là, ce que tu as présupposé, c'est quand tu dis, mais ça ne peut pas être la personnalité, tu dis qu'il y a quelque chose qui se détache. En fait, il y a plein de manières de voir ça, mais on peut aussi penser qu'on est des êtres très élargis. Hein, donc en fait, il n'y a rien qui se détache. C'est juste que dans le champ, un vaste champ qui est autour de nous, il y a une partie qui peut aller voir ailleurs, en fait. Ou il y a une partie qui peut s'extraire de dimensions et avoir accès à des informations qui sont hors de l'espace-temps. Mais voilà, penser la séparation entre le corps et autre chose, c'est une posture dualiste. Ça dit qu'il y a le corps d'un côté et autre chose de l'autre. Et en fait, cette posture dualiste, qui est une posture enfin, que l'Occident a occupée pendant des siècles, justement à partir du XVIIIe siècle, on essaye de ne pas tomber là-dedans. On essaye de vraiment penser une unité de l'être humain, corps-esprit, et cette unité semble avoir des potentiels extraordinaires, exceptionnels. Et donc, il faut penser ça de manière différente. Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui peut survivre, puisque c'est une unité. Et donc, ça pose la question de toutes les évidences qui semblent indiquer qu'il se passe peut-être quelque chose au-delà de la mort. Et là, on pense par exemple aux témoignages d'enfants qui disent avoir déjà vécu. Qui ont été étudiés par Ian Stevenson, qui est vraiment un savant reconnu, qui était un psychiatre, qui dirigeait un service de psychiatrie dans l'université de Virginie, et qui a vraiment étudié ce phénomène pendant 40 ans, et qui a accumulé des évidences très très solides, qui montrent que, bah, y a des enfants qui se souviennent de vies, de personnes qui ont existé, et tout est vrai. C'est-à-dire, en fait, il y a des corrélations entre ce que les enfants racontent et ce que les chercheurs ont L'histoire recense, prouver, voilà, il y a vraiment des cas très, très, très solides. Et il y a aussi, à l'heure d'aujourd'hui, pas mal d'études sur la médiumnité, c'est-à-dire qu'on a des protocoles en quintuple aveugle, pareil, des protocoles hyper sérieux. Pourquoi en quintuple aveugle? Pour éviter tous les biais qu'on connaît. Et pareil, qui semblent indiquer que les médiums communiquent avec quelqu'un qui est décédé. Alors, il faut être très clair, au niveau de la science, on est dans une situation d'indécidabilité scientifique. On ne peut pas trancher la question. On ne peut pas dire il y a quelque chose qui survit et on ne peut pas dire il y a quelque chose qui ne survit pas au niveau scientifique. Par contre, ça pose la question. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que depuis le XVIIIe siècle, on essaye de se débarrasser de l'âme, on essaye de se débarrasser de l'hypothèse de la survie, du coup, parce que s'il n'y a pas d'âme, il n'y a rien qui peut survivre. Et là, aujourd'hui, on est avec des évidences qui demandent à être pensées. Voilà, donc on sait pas, on n'a pas vraiment réussi à se débarrasser de cette idée que potentiellement, il y a une portion de psychisme ou quelque chose qui pourrait perdurer au-delà de la mort du corps physique. Donc c'est des sujets, voilà, là on est sur quand même, on Oui, est. là je sais pas où je m'aventure, mais c'est vrai que ça ouvre vraiment à plein 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 Non, de mais c'est des questions en sujets, fait. parce qu'en plus, ça pose des questions, je te dis pas quoi. C'est-à-dire que ben, s'il y a quelque chose qui survit, de quoi on parle? Est-ce que ça veut dire du coup que le corps, c'est juste une enveloppe comme on l'a pensé pendant des siècles? Et ça, c'est pas possible. On sait que le corps, il est vivant, il est conscient, c'est un phénomène complexe. Donc, d'un seul coup, on est obligé de revenir à des questions folles, en fait, et tout est à explorer, quoi. Donc c'est ouais, là on est sur tout. Mais la question sur laquelle, enfin le thème que tu viens de développer, c'est passionnant, mais quand même dans cette expérience, on a l'impression,
y a ce mais, je crois qu'il y a une part de moi qui insiste, ouais, c'est parce que je suis en train de le réfléchir, hein, tu m'en Vas-y, veux pas, mais vas-y. Non, en fait, il y a quand même une part, enfin, c'est comme si, comment je pourrais le dire ça? C'est comme si dans la totalité qu'on est, il y a une part qui peut interagir sur un plan. Enfin, ouais, non, je ne sais oui, pas comment le c'est-à-dire qu'en formuler. fait, Et tu vois, cette notion d'inséparabilité, il y a bien un moment pourtant où il y a un état de conscience, je ne sais pas ce qui se produit, mais en tout cas, il y a plus une forme d'intelligence qui peut comment dire, formuler l'expérience vécue par cet état-là. Tu vois, si dans une expérience de sortie hors de corps, comme tu disais, enfin, moi, je faisais quand même référence à des expériences de mort imminente, de celles que j'avais vues, hein, où vraiment, il y a des capacités qui se présentent et qui sont des capacités qui ne sont pas du tout... comment dire, exploitable quand on est dans le corps physique. Donc il y a une forme de délocalisation, d'une forme d'intelligence, d'un regard méta qui voit quelque chose que l'autre ne voit pas. Et quand alors, l'autre est éveillé, ben, tu vois, oui, c'est cette clair notion d'inséparabilité, je la conçois et en même temps on voit une expérience où il y a clairement un étage qui s'allume quand l'autre s'éteint. Tu vois ce que je veux oui, dire? mais c'est-à-dire que ça peut être des degrés. C'est-à-dire, on peut penser des degrés. En fait, ce dont on parle, c'est d'arriver à localiser dans l'espace-temps une forme de conscience dans le corps, ou peut-être même que le corps est une localisation dans l'espace-temps d'une forme de conscience. Et la possibilité en même temps de vivre des états élargis de la conscience qui nous font accéder à des visions plutôt méta, où effectivement, d'un seul coup, entre guillemets, on a une vision à 360 degrés, on sent, c'est ce que les gens décrivent, hein, les gens qui vivent des sorties hors de corps, on sent tout de suite ce que les gens pensent et ce qu'ils perçoivent, on peut percevoir à distance et dans le temps, on peut faire des prévisions. Enfin, ça, en plus, c'est rapporté par toutes les traditions, hein, donc il y a vraiment un consensus sur cette phénoménologie. Et en fait, tout ça, moi, c'est vraiment le. Enfin, il y a Bergson, par exemple. Je vais prendre l'exemple de Bergson, qui est un grand philosophe français qui s'est beaucoup penché sur ces sujets-là. Lui, il pense comme si il y a un cône qui se resserre de plus en plus. Et le bout du cône, qui est très resserré, très localisé dans l'espace-temps, c'est notre conscience locale, habituelle, quotidienne. Voilà. Mais plus on remonte dans le cône, plus on est dans un état élargi de conscience, et moins on est localisé dans l'espace-temps, et du coup, plus on a accédé à plein d'informations dans un champ psychique. Mais ça, il n'y a pas besoin que ça soit séparé. C'est-à-dire que le réflexe de séparer quelque chose du corps, c'est un réflexe dualiste qui est normal, qui est légitime. On est héritier d'une culture, on a passé des siècles et des siècles et des siècles à penser de manière dualiste, plus ou moins, de manière plus ou moins marquée, mais quand même. Mais en fait, il faut se débarrasser de cette idée-là. Il n'y a pas besoin de séparer, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que semblent montrer les dernières recherches en philosophie, sur la conscience, sur la psychologie, sur les états de transe. À l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt en train d'essayer de tout rassembler. Tout est lié, hein, et là, je fais un pont vers le livre de Jocelyn et Romuald, qui sont un bouquin dont le titre est « Tout est relié ». Mais voilà, c'est en fait en ce moment, il y a toutes les recherches pertinentes et qui sont vraiment animées par l'envie d'ouvrir des nouveaux horizons, arrivent à cette conclusion que, en fait, il y a un univers unifié dans lequel il y a une multiplicité de formes. Donc oui, bien sûr, il y a une multiplicité, il faut penser à la multiplicité, mais au final, tout est lié. Et donc, penser une séparation, c'est compliqué. Et en même temps, bien sûr, il y a quand même quelque chose qui. Il y a quand même, on va dire, un corps physique qui reste derrière et puis sûrement quelque chose qui s'en détache. Mais ça a besoin d'être vraiment pensé plutôt dans une continuité. J'entends. Eh bien, bravo, super Myriam. Franchement, tu as le vocabulaire et tout ce qu'il faut pour expliquer ça. Je trouve que c'est énorme. Merci vraiment beaucoup. Moi, j'avais envie de vous raconter une histoire quand même.
Ouais, juste, je rebondis sur Ouais, Jocelyn vas-y. Morisson, qui sera là dans 2 semaines, le 21 février, justement, pour son ouvrage Tout est relié, qu'il a coécrit avec Romuald. Et j'ai commencé à le lire. Et c'est aussi une pépite, un trésor. Et vous êtes vraiment des ouvreurs de voie pour les nouveaux paradigmes de la conscience, en fait, de comment on comprend ces concepts-là. Donc, je salue vraiment encore une fois votre travail et je vous en remercie. Je laisse la Merci. parole. En fait, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de la conscience et tout ça, ça devient vite. On est sur des grandes questions, on est sur de la théorie. Alors du coup, je m'étais dit quand même, j'ai envie de leur raconter une histoire. Ah, vas-y, Mais vas-y, vas-y, fais nous en rêver. voudrais vous raconter l'histoire d'un voyant qui s'appelait Gérard Croiset et qui était un voyant hollandais. Et qui était vraiment connu, reconnu pour ses capacités de voyance, et notamment sa spécificité, c'était de retrouver des personnes disparues. Alors, souvent des personnes qui étaient déjà décédées, malheureusement, mais du coup, il a travaillé avec tous les grands services de police d'Europe. Et en fait, ce voyant a aussi été le sujet de recherche, de protocole de recherche. Il y en a un qui est assez bluffant, en fait. Alors, il a été coordonné par un professeur qui s'appelle le professeur Willem ten Haeff, qui était titulaire de la chaire de parapsychologie à l'université d'Utrecht, et qui était aussi un collaborateur de ce qu'on appelle l'IGPP, qui est un des plus grands centres de recherche sur les phénomènes hors normes et les expériences exceptionnelles, et qui est en Allemagne. Donc, on est vraiment avec des gens qui ont une assise universitaire, qui ont été tamponnés, tout va bien, qui publient leurs résultats dans des comités, dans des revues à comité de lecture. Et alors là, il va faire un protocole de recherche avec ce fameux voyant, Gérard Croiset. Et en fait, donc Gérard Croiset arrive dans le bureau du professeur Willem ten Haeff, et il y a deux autres professeurs avec lui, donc ils sont trois, et le voyant. Et en fait, il lui tend un papier. Et sur ce papier sont dessinées des chaises, c'est-à-dire les plans pour une séance qui doit avoir lieu dans le futur, c'est-à-dire des chaises numérotées, il y a 30 chaises, et c'est tout. Donc personne ne sait à quoi correspond ce plan. Donc Gérard Croiset se retrouve juste avec un papier entre les mains, et il doit dire ce qu'il sent. Et en fait, c'est incroyable. Il va dire que ce plan, en fait, ces chaises correspondent à une expérience qui va être menée dans le futur, et il va donner la date. Il va donner le nom de la ville où ça va se passer. Et il va dire que, bah, y a 30 personnes qui vont venir et qui vont s'asseoir sur ces chaises. Au moment où il dit ça, les 30 personnes ne sont même pas encore au courant qu'elles vont Qu'elles vont se participer rendre. à Eh cette expérience. oui. Et donc là, il commence à décrire notamment certaines personnes, et notamment une dame qui sera assise sur la chaise numéro 9. Bah, il dit que c'est une femme de moyen âge, enfin d'un âge moyen, qui est un peu ronde, très enjouée, et il donne un certain nombre de détails sur cette femme. Et en fait, effectivement, un mois plus tard, il y a des personnes donc, qui ont été invitées entre-temps, qui arrivent à l'endroit qu'il avait indiqué, et au moment où elles arrivent, elles sont tirées au sort. Donc il n'y avait aucun moyen de savoir à l'avance qui serait assis sur quelle chaise. Et ce qu'on leur donne, c'est une retranscription de ce que Gérard Croiset a raconté un mois plus tôt, et on leur dit à chacun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette description? Et en fait, au bout d'un moment, il y a une femme qui est assise sur la chaise numéro 9, qui lève la main et qui raconte sa vie, et ça correspond complètement à ce que le voyant a dit un mois plus tôt, alors qu'à l'époque, elle ne savait même pas qu'elle allait être invitée, et alors qu'en arrivant, elle a tiré sa place au sort. Donc là, quand on est avec des études comme ça, voilà, qui permettent de bloquer certains biais connus, hein, des recherches de parapsychologie, je trouve ça assez bluffant, quoi. On est vraiment avec des protocoles qui vont mettre en évidence un potentiel de l'être humain qui est assez fou, quoi. Ben, en termes de potentiel, oui. Et du coup, ça pose la question d'une forme de déterminisme. Alors, parce que si moi, enfin, cette personne est en mesure de voir que dans un mois, il y a quelqu'un qui ne sait pas encore actuellement qu'elle fera ça, mais elle le fera. Et en fait, l'expérience est vérifiée dans le temps. Donc, il y a comme quelque chose qui était déjà écrit. Enfin, Alors, c'est une bien sûr, question, une réflexion. il y a plein de. On pourra jamais. Enfin, C'est on fou, est cette sur des. histoire. Parce On que c'est est. d'autant plus fou si, à partir d'ici, comme le dit Philippe Guimond,
il y a un champ de possibilités incroyables, et que la personne puisse... Oui, c'est le problème de la rétrocausalité. C'est-à-dire que si Gérard Croiset, le moi de Gérard Croiset dans le futur est informé des informations, il peut, en remontant le temps, informer le moi présent. Hein? Et ça, en fait, les parapsychologues ont commencé à comprendre que c'était un biais. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des études sur la médiumnité en quintuple aveugle. Eh bien, un des niveaux d'aveuglement, c'est que le médium qui fait une lecture ne saura jamais si sa lecture est bonne ou pas bonne et s'il a eu vrai ou faux. Justement pour éviter que son moi futur puisse informer son moi présent. Oui. Donc, on est maintenant avec des protocoles effectivement contemporains qui déjouent un petit peu ce phénomène-là. Donc, c'est étonnant. Hein, c'est... Oui, c'est étonnant, c'est passionnant. Donc, avec ce phénomène de rétrocausalité, est-ce que ça voudrait dire qu'on peut rentrer en communication avec son futur, avec une version de son futur? Ou est-ce Oui, c'est-à-dire... On peut se mettre en lien avec une version de notre futur qu'on voudrait vivre. Mais en fait, déjà, ce que la physique actuelle montre, c'est que le temps est symétrique. Hein, le temps s'écoule dans les deux sens. Donc ça, maintenant, ça a été admis par l'Académie des sciences. C'est quelque chose qu'on ne peut plus nier. Et donc, en fait, on serait de toute façon toujours en contact avec notre futur et notre passé. Mais ce n'est pas quelque chose qui serait écrit dans le marbre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui évolue. C'est-à-dire qu'on évolue avec notre futur et notre passé. Et donc, on pourrait éventuellement, mais ça, il faudrait plutôt en parler justement avec Jocelyn et Romuald, parce que là, ils sont vraiment eux les spécialistes de cette question-là. Donc, il y a des protocoles pour essayer d'attirer le futur qu'on souhaite avoir en faisant une sorte de partenariat avec notre moi futur. Mais là, vraiment, ça serait mieux que ce soit Jocelyn et moi. Mais on va aller regarder cette question. Je me souviens que Romuald organisait des ateliers justement sur comment provoquer des synchronicités avec une personne qui préparait un peu le terrain et un protocole bien précis. Donc, on abordera ça le 21. Super, merci Myriam. Alors, est-ce que ça te va si on prend quelques questions? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en vois une. Alors, bonsoir Myriam, bonsoir Jocelyn. Quel serait le rôle de la conscience? Et le lien conscience-âme. Le rôle de la conscience. Ça dépend un petit peu dans quelle tradition on se place. Ce que je pourrais dire, c'est que au tournant du XXe siècle, il y a un courant philosophique qui émerge, qui est la phénoménologie. Et la phénoménologie part du principe que la seule chose dont on est sûr, c'est que quelque chose se donne à vivre à nous à chaque instant. Donc, une forme de conscience émerge en nous. Et en fait, c'est la seule chose dont on est sûr. Tout le reste, ce n'est que des scénarios. Tout ce que la science nous raconte, tout ce qui est objectivé, en fait, on ne peut pas en être sûr. Donc, dans cet espace-là, la conscience, elle a juste pour rôle de faire émerger une expérience. Et à chaque instant, on est en train de vivre cette conscience qui émerge et qui n'est jamais la même d'une seconde à l'autre. Voilà, c'est comme quelque chose qui nous file entre les doigts, qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut jamais vraiment objectiver. Et en fait, on est constamment traversé par cette expérience consciente. Et la conscience, en fait, c'est ça, son rôle. C'est juste de faire émerger en nous, enfin, tout, c'est-à-dire potentiellement même notre corps, la réalité du monde. Voilà, ça serait comme une source, en fait, qui fait constamment émerger quelque chose, une expérience qui se donne. Après, au niveau plus psychologique, ce qu'on voit, c'est que la conscience... elle a deux grands rôles. Un, c'est de s'identifier aux choses. Et le deuxième, c'est d'être complètement désidentifié. Et ça, on le travaille par exemple beaucoup dans le domaine de la thérapie. C'est-à-dire, on va travailler toutes les choses auxquelles votre conscience s'est identifiée. Je suis une femme, j'ai tel âge, j'ai tel métier, je fais ça, je sens ça, mon histoire c'est ça. Et donc, on est très... En fait, on est le fruit de milliards d'années d'évolution et donc de mémoires qui ont été engrammées en nous. Et donc, on est des milliards d'années de travail d'une conscience qui s'est identifiée à des choses et qui a dit « ça, je garde. Ok, donc ça, je laisse.
ça je garde, ça je stabilise. Il y a eu tout un travail de mémoire, en fait, de ce qui est émergé de la conscience, qu'on a stabilisé. Donc, la conscience, elle s'identifie. Et donc, c'est hyper intéressant de mettre en lumière les choses auxquelles on est identifié. Et c'est aussi hyper intéressant de se désidentifier de tout ça pour aller toucher des niveaux d'être qui sont peut-être plus profonds. Et là, on est plutôt dans des visées spirituelles. C'est ce que nous disent l'Advaita Vedanta ou même le bouddhisme et l'hindouisme. C'est-à-dire, en fait, il y a un endroit où on est juste une conscience témoin qui est bien plus grande que toutes ces choses auxquelles on est identifié. Donc, c'est ce double mouvement de la conscience qui est qu'on est très identifié à du contenu et en même temps très détaché, c'est-à-dire qu'il y aurait un niveau de conscience ultime qui serait juste une conscience témoin, qui regarde les choses passer, mais ça ne la concerne pas. Elle est juste là pour observer. Donc, on voit, encore une fois, que selon voilà, les niveaux ou selon les espaces dans lesquels on est, la conscience va avoir différentes facettes. Mais ça serait un petit peu ça, les rôles de la conscience. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oh ben écoute, certainement. En tout cas, ça donne des pistes. Alors, par exemple, là, je vois, il y a une question, l'ego versus la pleine conscience. Ben, justement, c'est ça. C'est-à-dire que l'ego, c'est vraiment cette tendance qu'on a à s'identifier très fort. Et en fait, il en faut. Hein. Attention, l'ego, c'est important. Hein. Il faut avoir un ego. Parce que c'est ça qui fait que, ben, qu'on existe dans le monde. Donc, on ne sortira jamais véritablement de l'ego, sauf si vraiment on atteint un état d'illumination. Mais en fait, voilà, l'ego, c'est tout ce qui est identifié. Et la pleine conscience, c'est cet état de relâchement total où juste on regarde les choses émerger et disparaître parce que c'est la nature de la réalité d'être fluctuante. Voilà, donc on est vraiment justement là aussi avec ces deux niveaux-là. Comme le principe de la méditation, essayer d'observer, d'être conscience, ouais, c'est la méditation. De ne pas être dans le rouage des pensées, mais de pouvoir avoir fait un pas de recul pour les observer et pas s'identifier à ça. Comme disait Eckhart Tolle. Alors, il y a une autre question de Jade Zen Tao. Quel serait le point de départ de la conscience? Ah, ça va loin. Hein. Et oui, ben là, ça, c'est la question un peu originale, je dirais. Eh bien, c'est. Quel serait le point de départ de la conscience? Le point de départ de la conscience, en fait, le problème, c'est que ça demande des coordonnées de l'espace-temps. Je pense que l'endroit où on peut se rapprocher le plus de ce point de départ, c'est quand on se met vraiment à l'écoute de notre sensorialité et qu'on plonge dans l'expérience qu'on est en train de vivre, qui est une expérience consciente. Et vraiment, justement, en lâchant au maximum cette tendance à s'identifier ou à cristalliser les choses, et à laisser émerger juste ce qui émerge et qui repart. Et là, on se rapproche de cet endroit, et c'est un petit peu ce que disent toutes les grandes traditions, c'est-à-dire que on se rend compte que finalement, tout est, comment on dit, tout passe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des surgissements de contenu, mais qui s'effacent, et il y a d'autres choses qui derrière qui reviennent. Et en fait, le point de départ serait cet endroit où on peut vraiment être juste présent avec ce qui se passe sans s'identifier absolument. Voilà, c'est la seule réponse que je peux donner, parce que sinon, une coordonnée dans l'espace-temps, c'est compliqué. Mais c'est vraiment cet endroit où on voit les choses apparaître et disparaître depuis on ne sait pas où. Merci Myriam. Bravo. Vraiment bravo. Et merci Jade Zen. Alors, il y a une autre question qui nous fait aborder un petit peu le thème des synchronicités. Les synchronicités, quel est leur lien avec la conscience? Alors, le mot synchronicité a été mis au point par Carl Gustav Jung, dont on a déjà parlé, et un physicien qui était spécialiste de la physique quantique. Et tous deux, ils ont réfléchi à la notion de causalité, en fait. Alors, nous, on vit dans un monde rationnel qui nous dit qu'il y a une causalité dans le temps. Le passé va générer des choses qui vont générer le présent. Et puis, voilà. Donc, il y a vraiment cette causalité très classique. Et je crois que c'était Paoli, je ne me souvenais plus, mais c'est Jung et Paoli. Oui. Ils ont vraiment stipulé que dans le monde, il y a une autre forme de causalité qui est beaucoup plus subjective. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis très fort en résonance avec, on va dire, il faudrait que j'ai un exemple facile,
En ce moment, je me pose la question de est-ce que j'ai besoin d'aller faire une retraite dans la montagne parce que ça va me faire du bien j'ai vraiment besoin d'un signe. En fait, je ne sais pas trop, en fait. Je descends en ville et d'un seul coup, sur le trottoir, il y a un livre sur la montagne et les arbres. Donc, on peut dire bah, c'est un hasard, c'est complètement un hasard. Ou on peut dire que parce que moi, dans mon être, je raisonne quelque chose qui a à voir avec la montagne et avec les arbres, eh bien, il y a une autre forme de causalité dans le monde qui fait que le monde va répondre à cette forme de causalité-là par des choses qui sont en résonance avec mon sujet. Donc, c'est ça, en fait, la synchronicité. C'est quand, par exemple, je suis habitée par un archétype et que le monde m'envoie des symboles qui sont liés à cet archétype, et du coup, j'ai l'impression que bah, ça correspond à ce que je suis en train de vivre. Ça me parle en fait, mais sauf que ça me parle de manière complètement subjective. Quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur, il dirait non, bah, c'est bon, ça n'a rien à voir. Enfin voilà, c'est complètement personnel, complètement subjectif. Et donc, c'est pour ça que des fois, c'est vrai que ça fait un peu sourire. On dit ouais, bah, c'est bon, elle voit des signes partout. Ben oui, c'est vrai que des fois, on peut voir des signes partout parce qu'il ne faut pas délirer non plus, mais. Il y a des fois, c'est flagrant. Il y a plein d'histoires comme ça de gens. Il y a notamment cette histoire de cet anthropologue dont je ne me souviens plus le nom, mais il était en train d'étudier les Bushman, la tribu des Bushman en Afrique. Et lui, il était à Manhattan dans un building, je ne sais plus à combien d'étages, mais genre au 17e étage. Et les Bushman, en fait, ont toute une réflexion par rapport à la menthe religieuse. Et il était en plein de réflexion, en train d'écrire un article sur la menthe religieuse. Et puis, à un moment donné, il se lève, il fait une pause et il va vers la fenêtre. Et là, il y a une menthe religieuse sur la fenêtre, au 17e étage, en plein New York. Vous voyez, donc là, on est quand même avec des gens complètement fous. Et donc, Bah des oui. histoires comme ça, il y en a vraiment pas mal de gens qui ont vécu des trucs où c'est difficile de dire que c'est juste le hasard. Mais bien sûr, c'est très subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre aurait vu la menthe religieuse, il aurait dit c'est bizarre, mais bon, ça ne me parle pas. Alors que lui, ça lui parle parce qu'il était en train d'étudier ce symbole-là. C'est ça une synchronicité. Super passionnant, pff, vraiment. Alors, l'intuition fait-elle partie d'une conscience future qui nous mettrait en garde? Alors, ça peut être expliqué comme ça, effectivement. Ça peut être une prémonition, ou ça peut être effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mon moi futur qui est au courant de quelque chose et qui me met en garde dans le passé. Rétro-causalité, quoi. Voilà. Donc effectivement, ça pourrait être ça. Il y a plein d'explications à l'intuition. Ça reste quand même un phénomène fascinant, hein? Et encore une fois, on voit qu'il peut y avoir différents modèles. C'est ça qui est intéressant. Moi, de toute façon, je trouve que de base, c'est ça qui est super, c'est que quand on aborde ces phénomènes, on n'est pas en train de dire il y a une vérité. Il n'y a pas de vérité, en fait. On est en train, du coup, de rentrer dans un domaine très complexe où on voit qu'il y a plein de scénarios possibles. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que selon où je suis, je vais utiliser tel modèle ou tel scénario. Et en plus, les deux, enfin, les trois ou les quatre ou les cinq, d'ailleurs, sont pas forcément, ils s'excluent pas forcément les uns les autres. Donc, pensons de la complexité. Oui, c'est vrai que ça amène à vraiment cette notion de nouveau paradigme. En fait, tellement nouveau qu'il faut vraiment laisser de l'espace pour que le nouveau puisse arriver, pour qu'on Oui, puisse il faut du avoir une temps. disponibilité à accepter de nouvelles choses. Parce que si on essaye toujours de comprendre ces phénomènes qui se présentent à nous à partir d'un vieux système, en fait, on voit bien que ça bloque, hein. Voilà, C'est c'est un vrai petit peu l'exemple de ce qui se produit pour moi face à tes explications, que. qui sont claires, et c'est juste énorme, c'est un cadeau en plus. Ouais, bah, Mais oui, c'est c'est ça. génial, merci à toi parce que c'est j'adore moi partager ça. En plus, là, comme je disais, c'est sympa, on peut juste discuter. Mais c'est vrai que c'est assez vertigineux et notamment quand on s'intéresse au temps, c'est un petit peu une gymnastique mentale, donc il faut un petit peu de temps faut souvent un petit peu de temps pour rentrer dans ces sujets-là. Alors, une dernière question. La conscience a toujours existé ou nous l'avons créée? Alors, le toujours exister, ça, on retombe dans la notion du temps, En fait,
si on prend vraiment une définition stricte de la conscience, qui est cet acte de prise de conscience, il faut qu'il y ait un sujet. Donc, d'une certaine manière, elle n'a pas toujours existé parce qu'il a fallu qu'il y ait un sujet. Et en plus, un sujet qui soit capable de cet acte de réflexion. Mais si on prend la conscience comme quelque chose qui émerge, ça pose la question de l'origine du monde. Et ça, c'est une grande question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce qu'en fait, dans notre Occident, on est vraiment sur une vision linéaire du temps. Mais le problème avec cette vision linéaire, c'est qu'il faut penser un début et il faut penser une fin. Alors que les traditions ont davantage pensé à un temps cyclique, où il n'y a pas de début et pas de fin, et tout continue tout le temps. Et donc, à ce moment-là, oui, la conscience a toujours existé. Mais voilà, on est encore une fois sur des questions assez métaphysiques. Il n'y a pas de réponse, mais c'est intéressant. Ben oui, il n'y a pas de réponse et il faudrait même un nouveau vocabulaire pour l'aborder, en fait. Complètement. Parce que, tu vois, quand tu essaies de passer de cette ligne temporelle linéaire à la notion de cycle, ah, c'est dur, hein. Il y a encore notre esprit analytique qui est en train de dire « Oui, mais ça a beau monter comme ça, il y a forcément eu un début, tu vois. » Voilà. C'est complètement vertigineux, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. C'est vraiment là où on voit que on est bien formaté et que ce n'est pas évident. C'est pas évident, oui. Donc, ben, merci Myriam de nous ouvrir à ces nouveaux paradigmes avec en l'occurrence ce livre, Les Mystères de la Conscience. Vraiment, faites-vous ce cadeau et faites même ce cadeau à un bon ami parce que c'est un super travail, c'est un super livre. Il y a plein d'informations, de belles illustrations. Chapeau Myriam, vraiment chapeau Myriam. Donc, je sais que tu t'intéresses aussi beaucoup à la relation corps-esprit, puisque tu es thérapeute psychocorporel, donc la conscience là-dedans, ou est-ce que, enfin, dans un cadre thérapeutique, comment ces notions de conscience, comment tu les perçois, comment ça a changé ton regard ou ton accompagnement, si là, tel est le cas. Voilà, je suis en plein dans l'écriture d'un livre sur le corps pour montrer qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que le corps, mais vraiment, on ne sait pas ce que c'est. Et qu'en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, toutes les recherches semblent indiquer qu'il faut penser à une unité corps-esprit. Hein, il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Mais vraiment, c'est la même chose, en fait. Et donc, c'est vrai que moi, dans ma pratique, donc, je suis thérapeute psychocorporelle, dans la Drôme, hein, j'habite dans la Drôme, à Cré. Je travaille beaucoup avec le corps parce que, en fait, la conscience consciente, c'est-à-dire là, le fait d'être vraiment éveillé, conscient, c'est une toute petite partie de notre être. Et les études ont même montré que notre conscience consciente, elle a toujours une demi-seconde de retard sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Donc, c'est assez vertigineux. Donc, c'est-à-dire, c'est qui le pilote dans l'avion, en fait. Donc, on voit qu'il y a des formes de conscience plus profondes, et notamment des formes de conscience dans le corps. Et comme je disais aussi, le corps, il est le fruit de milliards d'années d'évolution. Donc, il porte en lui des mémoires, des sagesses, des savoir-faire très précieux auxquels on peut accéder, mais il porte aussi surtout la mémoire de tout ce qu'on a vécu et surtout des choses difficiles qui n'ont pas été régulées parce que le corps, heureusement, il régule, je veux dire, il mâchouille et puis voilà, hein, je veux dire, il avance. Mais toutes les aspects de nos histoires qui n'ont pas été régulées, le corps s'en souvient. Et donc, c'est intelligent dans un travail psychothérapeutique d'inclure le corps, parce que du coup, on élargit le champ. On n'a pas juste l'intelligence cognitive, ni juste l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence corporelle. Et là, quand on commence à aller toucher à ça, c'est vraiment, ça décuple en fait le processus. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a toute une intelligence et toute une sagesse. Par exemple, quand on demande à quelqu'un de se laisser sentir qu'est-ce qui est là, et quand on arrive à suivre le fil, souvent ce qui sort, c'est des sujets hyper pertinents pour la personne. Et des fois, en espace de 20 minutes, on peut se retrouver au cœur d'une problématique. Et le corps, il nous y amène direct. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de analyser, décortiquer, tout ça. Il y a quelque chose d'assez direct, en fait. C'est ça qui est génial avec le corps. Donc, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup en incluant le corps. Pas que, hein, j'ai aussi d'autres outils. Et je suis aussi formatrice, donc en thérapie psychocorporelle. On a fondé une école qui est basée à Dijon, qui s'appelle Arborescence,
où on forme, soit on offre des stages expérientiels pour les gens qui veulent juste venir faire une expérience, voir comment ça marche, et puis surtout travailler sur eux, sur un aspect ou quelque chose. Mais on a aussi des cycles de formation, des cycles de spécialisation, et on forme des thérapeutes psychocorporels. Génial. Et donc, on peut trouver l'information de cette école, où ça, sur Sur ton mon site site, internet, Myriam Gablier? voilà, sur myriamgablier.fr, OK. voilà, j'ai une page formation. Je vais refonder mon site parce que là, il est un peu simple, un peu épuré, mais je vais tout reprendre. Mais en tout cas, vous pouvez y aller. Il y a les infos sur ce site-là. Ok, super. Ouais. Génial, quel univers passionnant et quel travail fabuleux, remarquable. Merci Myriam, je vois un commentaire qui dit, enfin il était là tout à l'heure, mais qui disait un passionnant, un thème pour une future émission. Bah écoute, Le corps, oui. quand ton livre sera édité, oui, ce Avec sera grand plaisir, avec ouais. grand plaisir, oui. Ah ouais, c'est hyper Ouais. impressionnant. Le corps, c'est. En kinésiologie, on travaille avec le test musculaire et c'est pareil, ça Ouais. ouvre des choses qui Ah, sont c'est étonnant, bien sûr. tout C'est à un fait super outil bluffantes. diagnostique, ouais. Ah, super. Donc, eh ben, merci beaucoup Myriam. Je vais te laisser le mot de la fin pour voilà, si jamais tu as envie de dire un petit quelque chose aux internautes. Avant ça, Ouais. ben, je vous rappelle que si vous voulez vous procurer ce livre, Les Mystères de la Conscience, ce magnifique ouvrage, et en même temps cautionner un petit peu enfin même complètement le travail de Myriam, parce que ça, c'est un travail colossal d'écrire un livre comme ça. Et puis voilà, nourrir cette passion, vous pouvez commander le livre, vous trouverez le lien sur la page de Myriam sur energiepositivemedia.com, sinon dans la description de la vidéo. Comme ça permet d'accéder directement au livre, que vous l'achetiez, et en même temps, ça rapporte un petit peu d'argent à Énergie Positive Média, et c'est un chouette coup de pouce. Donc vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, mettez un pouce vers le haut, un commentaire, partagez vos expériences dans les commentaires sous la vidéo. Ça peut être chouette, tout à fait intéressant pour les auditeurs et pour les personnes qui liront la vidéo plus tard, et puis moi-même qui lis toujours les commentaires. Donc je vous dis à la semaine prochaine tout le monde, on se rejoint avec Pierre et Gérald, on va parler d'éveil, de joie d'être, parce que Pierre et Gérald sont vraiment des personnages Génial, super. ouais, que j'aime énormément, parce qu'ils respirent vraiment la joie, ils sont toujours en train de rire, ils sont dans la légèreté. Et tu vois, quand tu parles de que la conscience, c'est probablement cet état de jaillissement qui ensuite peut-être se rétracte, enfin un peu comme une respiration, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment connectés à ce truc présent, tu vois. Toujours. Ils ont vraiment quelque chose de très particulier. Moi, je les aime vraiment beaucoup, donc on va passer une soirée à ce qui potentiellement pose des mots sur leur façon de voir les choses, leur paradigme, on va dire. Donc, Et du coup, mardi prochain. tu m'as demandé un mot de la fin. Et je te laisse le mot de la fin, ouais, Du coup, avec j'ai les essayé auditeurs. de me dire, attends, ce serait quoi? T'as Parce que, trouvé? enfin, moi, il me semble que ce qui est vraiment génial avec cette idée de s'identifier, de se désidentifier, c'est que c'est toujours très rassurant de se rendre compte qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on pense être. Et surtout dans les moments, par exemple, un peu plus difficiles, de se rendre compte que on a tendance à être très identifié à ce qui se passe et que quand on arrive à descendre en fait dans le corps, dans la présence ou dans des états de conscience un petit peu plus vastes, d'un seul coup, on se relie en fait à quelque chose de plus grand. Et ça, généralement, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est ça, je trouve que ça invite en fait la notion de conscience. C'est vraiment à se replacer dans un contexte qui est beaucoup plus vaste que juste notre petite personnalité. Ça serait ça, le mot de Cool. la fin. Merci beaucoup Myriam, merci à tous Merci et à à toi, bientôt. vraiment. Très chouette.